Préparation Fidji pour Sébastien Vahamina et Louis Picamol. Ils doivent appuyer en premier sur le bon buzzer du casque opposé, sinon le point va à l'adversaire. Vrai ou faux, au Fidji, toucher la tête de quelqu'un est une marque de respect. Faux. Il a perdu. C'était bien faux, au contraire, c'est une menace. Genre, ce week-end, si on leur touche la tête, ils vont être énervés. Waouh. Vrai ou faux, les Fidji sont champions olympiques de rugby. Oh. Oui. Vrai. De rugby à 7, oui. Oh, mais qui suis... c'est à moi, j'ai tapé en premier. Bien joué, c'était au jeu de Rio, en 2016. Attends, j'ai tapé, le truc, il a pas allumé. C'est pas fort, hein. Un Fidjien sur 10 est licencié au rugby. C'est vrai, il n'y a que du rugby à Fidji. Il y en a 1 sur 10. Il y en a 1 sur 10, 80 000 pour 800 000 habitants. Oh, toujours plus fort. La dernière question, hold up à 3 points. Qui peut kiffer les 5 à 3 points ? Vrai ou faux, Balou veut dire bonjour en Fidjien. Oh, mais qui... Ouais, faux ! C'est Boula. Effectivement, c'est Boula. Non, mais attends. Victoire de Sébastien Vahamina et le lot de consolation, c'est pour Louis Picamol. Il a deux enfants. Il a deux enfants. Et t'as fait exprès de parler, quoi. Mais non, je l'avais, Boula, là.